bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2 et nous en sommes à l'épisode 27. Il est venu, beaucoup n'y croyaient plus, mais il est là avec énormément de retard, j'en suis désolé, mais entre Resident Evil 2, entre le monteur à gérer et mon voyage au Japon, bien évidemment, qui va durer un mois. Je vais avoir la chance de retourner au Japon pour un mois cette fois-ci. Et je dois vous assurer, en parallèle des vidéos YouTube, des lives depuis là-bas, hein, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, évidemment, MRBboy45, quoi qu'il arrive, j'ai énormément de boulot et je vous cache pas que ce mois-ci, je vais être en sueur aussi, hein, on va pas se mentir, je vais être en un pneu dans la sueur, mais... Les choses arrivent, ne vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, bienvenue, bienvenue. On est bientôt au camp et on va continuer notre aventure principale. On ne se mêle pas des affaires des autres. Jamais se mêler des affaires des autres. Donc c'est parti, direction le camp. Il y a Sadie qui veut nous parler. Et il y a Joshua aussi qui aimerait nous parler. Donc on va parler à l'un des deux. On ne peut pas, des fois, ne pas pouvoir parler aux deux en même temps. Et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. D'intéressant, nous y voici. Hop, ralenti, Tornade, doucement. Ah, ça me fait plaisir de te retrouver, Tornade. Ça fait quand même longtemps. On a Joshua ou Sadie. Allez, on va parler à Joshua. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, le frérot. Ça peut être méga cool. Javier, qu'est-ce qu'il y a? What do you mean, what's wrong? It is. Where's your trust? Huh? Ah non, il y a une animation, je peux pas passer. Where's your faith? I got a son. Il y a une animation prévue, je peux totalement pas passer. Hop, on fait le tour. On fait le tour, moi j'ai rien vu, rien entendu, les gars. Oh là, oh là, oh là. Me mettez pas dans vos embrouilles, McCallaghan, hein. Ok, il est là, le frérot. Dis-moi tout. Non, tu veux rien me dire. Il veut rien me dire. Mais qu'est-ce qui. Les gars, vous avez fait bugger le jeu? Ah. Joseph? Leaving again? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. Well, I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, no, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Sir. How are you? A little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances in mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Plus battante, par contre. Autant il est sympa, il m'a fait un petit remède, frérot. Autant, tu vois, ça le gêne pas. J'ai été forcé, putain, j'avais pas envie, les gars. Laissez-moi tranquille, je suis en train de canner, là. Bon allez, c'est pas grave, on va voir un petit peu les négociations où ça mène. Surtout qu'en plus, plus battante, c'est un petit bâtard, parce qu'il sait très bien que je suis clairement pas en posture de faire quoi que ce soit, mais bon, why not? Vas-y, plus battante, on se rencontre, hop, on se rencontre, frérot, attention, attention, hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça va trop vite entre nous, hop, voilà. Yes, on a attaché ou quoi, gros? Abuse pas! Putain de merde! Allez, on y va, hein. C'était quoi ces conneries? J'ai rien demandé, moi! Just hope nobody recognizes Allez, on se retrouve directement me. Pour la mission. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch shouldn't have gotten involved. Now Eagle Flies is under arrest. It certainly won't help our case today.
I will find a way to help him. I promise you. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Je rappelle qu'on est en territoire, on est recherché mort au vif. Ça risque donc d'être terrible tout ce qui va se passer. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Here we are. There's my men up ahead. Hello. Ok, on est arrivé. On va voir ce que ça va donner ces négos. Des négos à un carrefour comme ça, frérot, c'est jamais bon. Ah, très bien, montez sur votre cheval, j'ai eu un coup de pression. Très bien, on va suivre plus battante. Vas-y, ma petite pluie, hein. Fais-moi rêver. This way. Oh. Ok, on va pouvoir se garer ici. On va l'attacher, hein, pour faire comme tout le monde. Voilà. Bon, fais-moi rêver, là. C'est quoi l'embrouille? Un petit poker, ça me plairait. Régler toutes ces histoires autour d'un poker, les gars. On sera en train de réécrire l'histoire. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Hmm. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Yeah. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name, is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing is... quite a cough. The federal government. Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. What? He's going to make a disgrace of him. Monroe? He seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe... is gonna force him into making a concession. Okay, on est cramé, les gars. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe.
kind of liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. Sir? I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man. Ok, reculez vers votre cheval. Je vais me faire désinguer, les gars, là. Hein. Ça va être critique. Il est où, mon cheval? Je vais bien reculer, mais je sais même pas où. Allez, hop, ça dégage. Allez, on décolle, les gars. Ok. Vache. Bon. Plutôt pas trop mal. On se casse, hein, les potes, hein. Pas du tout où on va. Échappez-vous avec le Captain Monroe. Ah mais là le Captain Monroe il est dans la merde. Alors ok. Je crois que ça veut jouer les cowboys par ici hein. Voilà. Ok. Compliqué à diriger tout cela. Mais on y arrive. C'est bon, pas de soucis, ça va arriver d'en face, évidemment. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Protéger le Capitaine Monroe, très bien. Bah pas de soucis. Eh les gars, on n'a pas le choix de toute façon. Ok, je vois rien. Il est mort. Ok. Oh, GG ça. Il a pris un headshot et pas par moi mon petit pote. Ok. Ça, ça dégage. Désolé de t'acheter à terre. Ok, on rotate. Ça, c'est headshot. Ok, ça c'est la mort. Ok, putain c'est la merde hein les frères. Regarde-moi ça. Oh, oh lui il va à peine descendre, hop ça dégage. Pas le temps pour ces conneries. Voilà ça dégage aussi. Quel trait frérot. Je viens de tuer une trentaine de mecs, tu crois quoi maintenant? C'est fini, y'a pas de paix hein. Ok. Allez, reload. Allez, on bouge, hein. On fait quoi là? Mettez sur votre cheval. Allez, viens, Monroe. Ok, jusqu'ici on s'en sort plutôt bien. Après j'étais en train de canner les gars là pendant l'entretien, c'était terrible. Hein. Ça toussait à tire l'arigot si je peux me permettre cette petite expression des familles. Ok, on va passer par ici. Attends. Ok. Vas-y, bombarde un gros. Hein. Voilà. Allez, faut y aller hein frérot hein. Eh ben, compliqué ça, hein.
What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hang for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Go! Allez, on est arrivé. Normalement. Whoa. Non. Si. Allez, terminus, tout le monde descend. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet me at the reservation. Reverend? Reverend. What are you doing here? I'm leaving. Running away? I suppose so. Yes, I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You leaving them? I told them to run too. I asked them to come with me, but they wouldn't. I'm changed. I'm a changed man, Arthur. I can't die for a bunch of nonsense sprouted by a fool. I understand. You're not a good man, Arthur, but you're not all bad either. Everything will be... Your journey, your path will be just fine. I'm worried my path is coming to an end, Mr. Swanson. Maybe. I've felt that way for a long time about myself, I mean, but you'll do what's right. I don't know about that. I do. Save who you can and let the rest rot. And look after yourself. Maybe. We'll see. You do see. You just can't quite admit it to yourself. All aboard! Be well, Reverend. All aboard! You too, Arthur. Sure. Good luck out there. You lived your life like a man, Arthur, and you turned into a good man. If we were all like you, things might have turned out differently. You're getting mighty sentimental, Reverend. Pour être très honnête avec vous, j'ai trouvé la conversation assez forte, quand même assez riche et assez forte. Elle veut dire énormément de choses. Bon allez, il est temps de se retrouver direct devant une nouvelle mission. On a des gens... Oh là là, oh là là, oh là là, fais pas de bêtises. On a des gens qui nous attendent, dont Sally, qui veut toujours discuter avec nous évidemment. Et cette fois-ci, on a C, mais alors je sais pas qui c'est. Ah, excellent, on adore. Charles Smith, évidemment. Le fils du roi. On va quand même parler à Sally, histoire de voir un peu ce qu'elle a à nous dire. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite, dans quelques instants même. Quelques secondes.
Allez, on vient d'arriver, il est temps de parler à Sadly, voir un petit peu... À Sadly, pardon, Sadly Adler. Pourquoi j'ai dit Sadly? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis totalement possédé. Pour voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Vas-y bébé, fais-moi rêver. You okay? Peach. You sure? No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. To do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me and to my husband. Look, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Bon, allez, on va l'aider. On va l'aider, les gars. I'll tell you what. I'll do it. But there's something you can help me with. Abigail. Jack. John. Make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes... Or how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean, help them escape. When I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Thanks, Arthur. Okay, come on. Allez, on va faire la route avec Sadly, histoire de parler un petit peu. Ce serait dommage de rester en arrière. Fine morning for killing. Hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Okay. Okay. Une belle journée pour tuer. C'est parti. On va désinguer tout ça, les gars. But spread pretty thin. I'll set it off and then we'll take it from there. Take it from there? Okay. So, no real plan then? Oh, I got a plan. Now come on. Wait, she's from Dutch's gang. What? Ça l'a pas tué? Ok. Mais ça tue pas, mais j'ai dans mon carton, frérot. Je sais que je dois l'illustrer, les gars. Ok. Ok, c'est bon, il est mort. J'arrive, ma biche, j'arrive. Ouh. Je suis en train de prendre ma part. Ok, c'est les derniers O'Driscoll. Après, c'est terminé. Parfait. Attendez. Bah là, c'est terrible. Je prends ma part de ouf en vrai. Hein. Ok, on va essayer de se rapprocher du bordel. Il avait un sacré con. Non, mais ça va, meurs, frérot. Ah, mon arme, elle est en mousse. Là, ça dégage.
ça dégage. Ok. Ok, j'ai appelé mon cheval, c'est pas grave, c'est pour qu'il assiste un peu au spectacle. Ok. Quelqu'un veut me tester là-dedans? Quelqu'un a les couilles de me tester? Ok. Attends. Mais non, ton cheval. Ok. C'est pas mal. Héros, faut pas me suivre comme ça, hein. C'est pas bon, hein. On va essayer de monter sans se faire arracher. Non. Ok, la grande chef est... Rejoignez Sally. Attends, j'arrive, hein. J'arrive parce que là, on a du petit whisky. Et ça, je t'avoue que... Bah, j'irai pas, non, hein. Ah, paquet de cartes de cigarettes. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Il va y avoir quelque chose là-dedans. Carte gemme sublime. Ok. Orange. Ça, ça se revend, ça, mon petit pote. Mon petit Lascar. On y va, on passe par ici. Hop, petit saut carpé, c'est mon côté cascadeur. Attends. Attends, attends, qu'est-ce qu'on a là, là? Qu'est-ce qu'on a là? Hop, petit côté cascadeur. C'est pas une petite caisse, là? Bon, attends, hop, on prend son chapeau. Merci, mon frérot. Tu m'en donneras des nouvelles. Allez, on y va. Aïe! Voilà, j'ai pris ma part. Ok, c'est parti. Ça se passe. Embrouille en haut. Embrouille en haut. J'arrive, hein, les gars. Hein. Attendez-moi. He was a good man, my Jakey. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. We should get away from her. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, might want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Est-ce que ce serait pas mon chapeau juste ici par hasard? Bien sûr que si, MacLesguy. C'est totalement mon chapeau. Allez, il est temps d'aller à l'autre mission que nous avons proposée par C. C'est Charles, évidemment. Je vous dis encore une fois... Oh, damn! Bah tout de suite, parce que ça va être très très long pour y aller, évidemment. Ah oui, ça va être même... ça va être bien loin. A tout de suite! Allez, nous sommes arrivés au village Wapiti, où sont installés évidemment les Indiens et où il y a Charles. On va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire, le frérot. C'est parti, quoi qu'il arrive, il y a une sacrée tempête là. Je pense que c'est scripté, c'est pour la mission qui va arriver. On y va. Charles.
Thank you for coming. Of course. The chief, he's very... Maybe you could speak to him? Yes, that's why I came. He's in his tent. Sure. I'll wait for you here. Ok, on va parler au chef. Il est très quoi? Très préoccupé? Je sais pas du tout. Très malade? Non, ça m'étonnerait. On l'aurait su. Hello? Come in. Mr. Morgan, I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Well, what should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No, and any chance we had, your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well. But matters are more complex than he understands. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes, yes. I ain't got much to lose, and you got... I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. Allez, on va sauver le fils. Need to get his son back, of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Ok. Bah, faut savoir déjà où il est enterré. Enterré, non. Où il est emprisonné, pardon. S'il n'est pas encore mort, évidemment. Donc, c'est parti, on va le suivre. On va voir un petit peu où il nous emmène, celui-ci. Fais-moi rêver, bébé. Hein. Hop. Vas-y. On y va, je te follow. So, I've been scouting the fort. The army are patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. If we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No guns, just knives and arrows. If we start making a lot of noise, he'll be dead before we get close to him. Okay. I left 2 canoes downriver, in case we need another way out of there. Okay, good. Ah, mission infiltration, c'est bon pour moi. Pas sûr que ce soit bon pour la tour, par contre. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe, he's helping himself. You see that? Or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. To pull Dutch out of the place he's in. Well, I like Rain's Fall. I don't know, Arthur. Rain's Fall is in a tough situation. And as for Dutch... I gotta try. I own that at least. You feel oh, 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 that? Je vais tomber, là, frérot. There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there... Wesh! Putain, sérieux. Oh là 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 là, c'est pas vrai. On était en cinématique, abuse pas. Allez, on est reparti. C'est, je l'ai senti arriver. Listen, Charles, if it goes bad in there, you get yourself out. You got me.
More to lose. No. Come on. Don't start talking like that. I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. It's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day, we can die. Hmm? We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you are lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater. More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to... to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. Are you all right? I think so. That current's strong. Up here. Follow me. You were right about the damn rain. Mm-hmm. Yeah. But might help us with sneaking in there. The rainfall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. There it is. Get ourselves hidden and wait till it gets dark. Over here. I guess this is it. I guess it is. Let's keep quiet. We'll try and find a way in. Main thing is that they don't hear us. Ready? Attends mon arc, frérot. Ok. Prendre deux flèches, je suis raide, mais ça peut le faire. We'll be in and out before they can come back around. On va essayer de le follow. De nuit, j'adore, je trouve ça magnifique. Avec les effets de lumière et tout. C'est assez impressionnant. There's two guards out front. If you take one, I'll take the other. Nice and quiet. Good. Let's make our way around the back. Stay close to the wall. Ok. Reste près du mur. Careful. There's a guard up there. Bon, vous savez que dans les phases d'infiltration, je parle pas beaucoup, hein. Pas grand chose à dire, mis à part rester concentré. Moindre faux plan. Ça risque de partir très vite en couille. Wait. Wait. Two more. One in the tower, one on the ground. Ok. Good. Just a bit further on here. On s'en sort bien à deux. On aurait pu faire tout le jeu à deux, frérot, hein. Il a bombardé, le bâtard. Je suis de ouf. You go, Charles. All right. Va-t-il plus proche?
C'est débile que j'y aille, quoi. Okay, Arthur, come on. Totalement con que j'y aille, on est d'accord, hein. C'est pas... Pas que j'ai la flemme, hein, mais enfin, le gars... Ils m'aident pas, ils s'en bat les couilles. C'est quoi ce délire? Aide-moi, frérot. Je sais que je suis le boss, mais enfin quand même. Wait. I'll make sure the tower's clear. C'est quoi le bail là? We're good. There's a guard out front. You take him. I'll cover back there. Bute-le devant, je te couvre. Ok, elles sont occupées. Ouais, bon là par contre, c'est pas ouf parce que c'est petit couloir étroit. On comprend pas trop. Faut... Ouais, bon, bon, bref. Faut lui dire un coup de s'en occuper, un coup c'est nous, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu méli-mélo si je puis me permettre cette petite expression des familles. Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start okay. A fire. You should have a clear shot from the walkway up there. Voilà. La lanterne au-dessus du tas de bois. Il y en a beaucoup, hein. Je pense que c'est elle. Don't shoot. You'll alert the others. Arthur, come on. Get down here. J'arrive, hein. J'arrive, frérot. Ok. The keys. You have to get me out of here. We're gonna get you out. I'll check the table, Arthur. You search the body. Ok, on va fouiller le corps. Allez, dis-moi que t'as les clés, frérot. Got him. Ok. Allez, mon pote, fais-moi rêver. On fait les choses bien jusqu'à la fin. On vit qu'une fois, comme on dit. Oh la vache! 8 kilomètres de corde. Your father sent us. My father. He told you to come and kill guards? No, he didn't say that. He... Of course not. You okay? Sure. Enjoy being tortured. Clears the mind. If you say so. Whoa, whoa. I'm fine. I'm fine. Ah! OK, bah alors là les gars, il y a plus de pitié. Ok, ça, ça dégage. Il en reste plus qu'un normalement. Allez, je suis Keblo. Oh là là. Allez, ça dégage. Hein. Ça dégage. J'avais plus rien à foutre de personne. Ça dégage. Ok, on va passer à l'arme sérieuse. Oh, headshot. Hop, ça dégage. Ça aussi et ça aussi. Bon, il en reste plus qu'un ou deux. Allez, peut-être trois. Oh, l'orage magnifique. Ok. I remember seeing a hole in one of the walls when they brought me in.
Vas-y frérot, fais-moi rêver. You must have fixed it. Arthur, deal with this, would you? Yes, but how? Ok, détruisez le mur. Je fais quoi frérot? Mais je les gars? What about that cannon? Ok. Je veux dire celui-ci là. Ok. Come on. Let's use this thing. Bon, selon toute logique, là on est bon. Écartez-vous les gars. Allez putain. Allez, ça dégage. It worked. Come on. Allez. C'est magnifique hein. Dans la pluie de nuit. C'est magnifique. Allez, montez les gars, on y va. Ouah, j'ai reçu un... Allez là, mais dépêchez-vous, bordel. Let's go, quick. I've got some canoes set up at the river down here. Ok, les canoës. Allez, je prends ma part, frérot. We got company behind us. Attendez. Lui viendra plus. Ok, lui viendra plus. Et lui non plus. Faut quand même tester peut-être. Allez, on est pas mal là. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage, j'ai dit. Ok, on y va. Évidemment, on prend celui à côté tout seul, miskin. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je peux pas le prendre. Voilà toi. Mais je c'est bugué. Non, y a trop de bugs dans le jeu, vraiment. Il y a beaucoup trop de bugs. Hein. Bah vas-y, bah cassez-vous, c'est bugué. Mais c'est bugué. Putain, votre jeu là, bande de yosh. Non, c'est pas. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est... Je me retiens, réellement. Je me retiens. Ok, dégage. Dégagez, là je suis énervé là. Là je vous avoue que je suis énervé. Ça commence à casser les couilles, le nombre de bugs insane qu'il y a. Vas-y hein, je te suis gros. Fais quelque chose. Occupe-toi d'eux, je vais préparer les canoës. Vite dans l'autre canoë. Non, fallait bien que j'aille dans l'autre canoë. Oh bah putain. Merci. Merci les gars. Fait plaisir, ça fonctionne. Waouh. Incroyable. Ok, j'entends rien quand il parle. Hop, je me fais tirer dessus, ça c'est gratuit. Par contre, personne pour me cover. Hein. Non mais les gars, je prends ma part. Aïe. Non mais attendez, ma vie est nulle. Mais ils me sortaient d'où comme ça? Les mecs, ils sont sur tous les ponts, tous les chemins, frérot. Ah oui, une arme, donnez-lui une arme les gars s'il vous plaît, donnez-lui une gatling, un lance-roquette, un tank, un avion, je sais pas, mais donnez-lui un truc, on a besoin d'aide là. Oui, vas-y, allez-y, allez-y, hein, tuez-moi, c'est gratuit. Voilà, yes. Alors ça fait plaisir d'aider les gens en tout cas, hein. Vas-y, hein. Encore, tirez-moi dessus, hein. Voilà, visez-moi mieux, hop.
Je vais bien prendre ma part si c'est gratos. Non, non, sans déconner. Non, mais les mecs, non, mais ils sont partout. Les gars, internet ça a pas été inventé, frérot. Je sais pas comment t'es au courant. T'en vois plus aucun? T'es aveugle, hein? I think we lost them. Come on. You okay, Arthur? Yeah, I'm right as rain. How are you? I'll be fine in a day or so. I heal fast. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father, even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. My friend, let me take you back to your phone. Thank you. No mention. Yeah. Eh bien, il faut aller voir Dutch maintenant. Incroyable. J'ai pris clairement ma part. C'est terrible. J'ai l'impression de souffrir en même temps que lui. Tiens, on va y... Hop, un peu d'herbe, les frères. Jamais de mal à personne. Vas-y, régale-moi. Voilà. Bon, c'est... Oh, monde sauvage, j'adore la menthe. Les gars, c'est parti. On va évidemment pas rejouer la mission. Ah non, les gars, mais... C'est bon, on va faire tout le tour, là. Alors, Dutch, où es-tu? Waouh! Sérieux, les mecs? Dutch, souhaite vous parler. Bah ouais, bah les gars, Dutch, il va attendre. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire à cette vidéo. La suite très bientôt. Je vais essayer de vous le garantir. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.